Les amis, on part sur un autre sujet. Ça fait depuis Noël. Ouais, depuis qu'on a posé l'escalier, en fait, que cette marche-là n'est pas installée. Donc, en fait, à chaque fois, on doit faire attention de marcher sur la petite platine. Donc, c'est très dangereux, c'est très chiant, c'est pas esthétique. Et c'est le genre de truc, en fait, on a laissé un peu en suspens et on s'en est jamais occupé. Et honnêtement, ça commence à me saouler. Parce que ça fait dégueulasse. Donc, là, j'ai envie, ce soir, de m'en occuper, faire une petite surprise à Rachel. J'ai un peu mis en place. Je vous montre un peu, en fait, pourquoi on l'a pas mise déjà. Attendez, je la prends. Hop, les. Donc là, le souci, c'est que, en gros, la platine, elle est trop collée à la mezzanine. Donc la marche doit aller plus loin pour s'enclencher dans la platine et être vissée. Donc là, si l'on regarde en dessous, on voit que là-bas, je ne peux pas rentrer. Et ici, on a de la marge. Donc là, la marge doit partir par là pour venir s'encastrer dans la platine. Donc l'idée, c'est venir tout simplement raboter la marche ici dans sa largeur. Ici, Saint-Maclou nous a fourni des seuils de portes qui vont avec le parquet. Donc ce que je trouve sympa, l'idée serait de faire ça. En gros, de venir mettre un seuil ici pour venir faire une finition au-dessus. Voilà, et faire comme ça. C'est un peu la seule solution qu'on a. Ce seuil, il sera présent jusque le début du garde-corps. Et là, on mettra autre chose. Donc, pour ce seuil, pour le mettre, on le collera après. Mais ici, en gros, le placo, je vais l'enlever. Je vais venir coller la marche au maximum contre la fourrure là, le rail. Et comme ça, si j'arrive à enclencher la marche là-dedans, peut-être que je devrais agrandir mon trou à la défonceuse, on verra ça plus tard. Je la pousse, l'enclenche, et ici, je vais mettre ça ici. Et ce sera ultra propre. Donc voilà, je vais essayer d'avancer là-dessus. Rachel, si tu vois cette vidéo, tu remarqueras que j'ai bien protégé pour pas qu'il y ait d'enduit de plâtre qui tombe en bas. Tu vois, je suis discipliné, je fais attention parce que je t'aime. Ok, bah là c'est cool, j'ai une bonne nouvelle. C'est qu'en fait, je crois que je vais même pas être obligé de couper la planche dans sa longueur, dans sa largeur, pardon. Parce qu'en fait, si je rabote ma fourrure qui est là, quasiment jusqu'au parquet en fait, si je la coupe, et ben, elle ça passe. Voilà. Et ça, ce sera top. Parce que il me manque ça là. Voilà, un ongle. Et en gros, je l'ai là. Ce serait incroyable. Mais ce qui est chiant, c'est que je dois du coup couper ça. Ça va être un peu la merde. Multitool, ça va être un bordel. Donc meuleuse, je vais essayer d'y aller à la meuleuse tout doux là tout le long. Si j'y arrive, c'est incroyable. Parce que là, ça veut dire zéro découpe. Et en fait, ça veut dire que j'aurais pu le faire depuis le début. Et que je suis un gros naze. J'aurais pas fini pour ce soir avec cette marche. Je l'ai quand même fixée, donc elle tient. Mais bon, il y a quand même un rebord ici, donc c'est pas forcément ultra safe. Demain, je vais finir. Je sais vraiment pas encore si on fonctionne comme ça ou si c'est trop dangereux. Et je vais mettre à fleur. Mais si je mets à fleur, qu'est-ce que je mets entre le parquet et la marche? Voilà. Je vais recracher quand même quand on rentre. Et on finira ça plus tard. Bon, alors là, on s'est mis sous la verrière pour réaliser un do-it-yourself pour les pieds du bureau. Donc là, Emilien est en train de préparer tout son matos. Il est en train d'essayer de trouver en fait une petite mèche pour pouvoir ici. En fait, ici avec la défonceuse, on aimerait faire un trou pour pouvoir insérer le tuyau d'évacuation. On vous explique un petit peu l'idée. Sur Pinterest, en fait, j'ai trouvé des pieds en béton. En fait, c'est mélangé avec du gravier. Enfin bref. Donc on a été acheter ce qu'il fallait. C'est quoi le diamètre? C'était du 160, ça. Tuyau d'évacuation de 160 et on va couler à l'intérieur. On va essayer de faire le ciment assez épais, justement pour avoir des imperfections et que le pied ne soit pas lisse, mais qu'on puisse apercevoir les cailloux et tout ça. Je vous mets une petite photo d'inspi juste ici, comme ça vous allez vous en rendre compte. Et on fait des tests, on a pris 4 tuyaux, mais il nous faut uniquement 2 pieds. Bon voilà, on va avoir nos deux grosses cheminées prêtes à être remplies.
On ne sait pas à quoi ça va ressembler, mais on y va. Tête baissée. Ouais. Alors, pour le coulage, on a été dans notre magasin de grande surface préférée. D'ailleurs, merci à Laurent Merlin qui nous ont donné ces évacs-là. Les mecs, ils avaient ça, des chutes comme ça qui traînaient dans leur cour. C'est évidemment invendable, donc il n'y a aucun souci pour eux. Et donc, trop trop bien, merci à eux. Donc, qu'est-ce qu'on a acheté pour le moulage, enfin le coulage? Des cailloux blanc calcaire, du ciment blanc, donc vous l'avez deviné, pour donner un aspect tout de suite blanc au poteau, et du sable pour faire du béton. Et du coup, il nous manquera, il faut que j'essaie de trouver des fers éventuellement, parce que ce serait pas mal de placer au moins un fer à l'intérieur pour que le poteau soit bien tenu, bien solide, et que ça ne casse pas. Voilà, donc je vais aller chercher du fer, on va voir. Peut-être à la cave, il y a peut-être du fer. Le problème, c'est qu'il soit maintenu au milieu, quoi. Bah, c'est pas un problème, ça. Il y a des cailloux, donc nous, on va gérer en fonction. Quand on verse, au fur et à mesure, on le verse. Par contre, il faudra le soulever un tout petit peu pour pas que les fers ressortent au niveau du pied. En montée, il faudra juste faire tout. Ouais, mais naturellement, il risque d'aller au fond. On verra. Il faudra tenir avec un fil de fer. Moi, ça me paraît énorme. Moi aussi, ça me paraît énorme. Oui, non, mais là, on est en train de faire un poteau de piscine, là. Enfin, pour un bureau. On est en train de faire une tour Eiffel, ouais. On fait un bureau, en fait. Faut arrêter. Qu'est-ce qu'on va faire? Une meuleuse là, on va juste récupérer un fer. Ça suffira largement. Bon voilà, du coup on ira déglisser dans chacun des pieds un fer à béton, comme ceci. Allez, on va préparer maintenant le béton. C'est parti. Ça y est, le premier poteau est fini. J'essaye de bien lisser, histoire que ça pose à plat. Surtout ça, ce sera le bas au sol, donc il faut que ça touche parfaitement plat si on veut que ce soit équilibré. Ça, c'est nickel. Et on attaque le deuxième. Toi, quand tu lâches des pêches, ça fait ça? Moi, je ne lâche jamais de pêche, que des roses. Bah, ça sent pas la rose pourtant quand je passe après toi. Ma punaise. On sent qu'elle fait son poteau, elle l'imagine démouler. Quand elle met son cake, elle l'imagine démouler là, tu vois. Elle met un paquet là, elle sait que hop, ça va s'aplatir comme ça, là ça va faire une petite. Alors. Tu vois, ça casse. Tu vois comment ça baisse en niveau? Ouais. C'est bon. Non, écarte pas autour du pieu. Du pieu. Faut que ça adhère en fait. Du pieu. Bah oui, c'est un pieu. Comme dans Buffy contre les vampires. Jette les tes pêches pour que ça tasse là. Mais écoute, pêche. Laisse-moi vivre. Claque ta pêche. Laisse-moi vivre. Claque ta pêche. Ici, ça sèche. Il y a déjà deux petits trous là. Claque ta pêche. Je vais te claquer une pêche, en fait. Et tu vas la sentir. Claque je t'aide, voilà. Là, claque sa pêche. Claque ta pêche, ouais, voilà. On est sur la fin, là. Claque ton étron. Et on a fait la quantité parfaite, encore. Ouais. Et si on a raté, il nous reste deux poteaux. Il reste deux poteaux et une moto. Non, ça y est, vraiment, c'est genou. Ok, maintenant, il faut tasser. Pas trop, parce que tu vas tasser ton fond, ça. Du coup. La lisseuse, pour kiffer, pour faire qu'un cul de bébé, en fait. Ce qui est bien, c'est de l'humidifier un petit peu. Comme ça, ça permet de lisser vraiment super bien. En fait, j'aime bien quand c'est pas trop lisse. Ouais, mais ça se verra pas. C'est comme ça, c'est le plateau dessus. Ou le sol. Je sais. Bah, c'est mieux qu'il y ait plus de surface, c'est qu'il y a appuie, je pense. Après. Imagine au démoulage, le truc, il... ça n'a rien à voir. Bah, on aura essayé. Bon, ça y est, on a fini nos poteaux. Voilà. Ouais. Maintenant, on va les laisser sécher tranquillement. On espère que le résultat sera beau. Ouais, c'est clair, on espère que ce sera bien parce que. Là, ça dégomme. Là, on sait pas. C'est un mystère. Là, ça jute par en dessous un petit peu. Mm. Donc voilà, là, du coup, on repart sur le plateau du bureau pour faire la chaux, faire le revêtement du bureau. Puis on viendra démouler
faut aussi qu'on passe un trou dans le plateau pour passer la prise de l'ordinateur. Faire un petit passe-câble, ouais. Un petit passe-câble dans le plateau. Bon, alors ici, on vient juste de calculer l'épaisseur du pied qui se trouve en dessous du plateau. Et Emilia va venir faire sur le plateau un trou de 6 cloches pour qu'on puisse passer la prise de l'ordinateur et qu'on puisse se rebrancher juste en dessous avec les prises. Bon bah ça doit faire 2 heures qu'on a fait ces petits poteaux. Ça y est, ça a déjà durci. Enfin, c'est dur hein, mais c'est pas sec du tout hein, mais voilà, on sent déjà que c'est dur. J'ai vraiment hâte de démouler, mais ça j'ai trop peur que ce soit un carnage au niveau des moulages. Je pense qu'on va foutre un coup de multitool ici tout le long et de l'autre côté et ouvrir un peu les deux parties. On verra, c'est vraiment ce sera la surprise. J'en profite dans cet épisode pour faire un petit aparté concernant la terrasse. Parce que peut-être que certains ne savent même plus ou ont oublié. On a une terrasse sur ce toit plat. Je vais y aller d'ailleurs. Ce sera l'occasion aussi de la remontrer. Voilà, ici on a l'escalier qui va être rallongé avec des marches supplémentaires. Donc c'est vraiment cet escalier qui va nous permettre d'accéder à cette trappe et passer sur la terrasse. Vous voyez ici Rachel, elle a mis une petite planche avec un trou. C'est plutôt ingénieux. Et ça permet de tenir le mât de l'escalier pour l'instant. Ça nous permet de monter et voilà. Ce que je voulais vous montrer quand même, c'est la taille de la terrasse qu'on a ici. Là, pour l'instant, c'est un EPDM. Et donc, on aimerait pouvoir créer la terrasse assez rapidement parce que les beaux jours arrivent. On va en profiter au maximum cet été. Et l'idée, en fait, c'est de créer une terrasse sur plot qui va arriver à hauteur de ces verres-là. Donc, il y a bien 25 cm en fait en dessous. Comme ça, l'eau passe au travers des lames. Voilà. Si vous avez des conseils, des produits, des trucs qu'on pourrait faire sur cette terrasse, n'hésitez pas, allez-y en commentaire. On va tout lire, voilà. Si vous avez des conseils sur les lames qu'il faut... On n'y connaît rien. Les lames qu'il faut prendre, les matières, les plots, voilà, des choses comme ça. On est preneur à fond. Voilà, et ici, on a la trappe. Donc, vous voyez, quand on arrive là, il manque encore une marche, deux marches, trois marches et 3-4 marches, quoi, en gros. Et en fait, on va pouvoir sortir ici. Et là, quand je descends sur l'escalier, en descendant, je peux attraper... Bon, là, je suis un peu court. Mais je peux attraper ma trappe et descendre comme ça et refermer au-dessus de ma tête. Donc, ça fonctionne très bien. Les amis, c'est impressionnant comme ça chauffe. Alors, c'est vrai que le béton, le ciment, quand ça prend, en fait, réaction chimique fait de la chaleur. Mais là, le poteau, il est... Franchement, il doit faire 35 degrés, quoi. C'est impressionnant. Bon, en tout cas, ça continue de sécher. On a juste une seule hâte, c'est de démouler notre cake. On devra attendre encore un peu. Ça chauffe aussi, là. Ah, c'est plat. C'est bouillant. C'est incroyable. Ça va sécher par le cul aussi. Putain, mais je suis curieux de savoir à quoi ça ressemble. Chaud, j'avais jamais entendu que c'est bien. Bah, je me souviens que la dalle, quand ça séchait, ça chauffait, mais ouais. Bah, là, le fait que ce soit vraiment emprisonné aussi, je pense que la chaleur ça augmente encore plus. Comment on démoule quoi? Parce que si on fait de la multitool, j'ai peur qu'on fasse un trait dans le béton. Non, mais peut-être en tapant sur le plastique, en tapant, en décollant un peu le béton, peut-être que ça a glissé. Comme un flambi quoi. Comme un tampon. Tu tires la languette du flambi et le truc pou. Et j'ai pas mangé. J'ai vu sur le bureau quand même un paquet de chips et un paquet de chocolat. C'était cet après. Mais ouais, quand t'es pas là, je me nourris pas. Oh, petit bébé. On se réveille tout doucement ce matin. Emilia a mis ses plus beaux chaussons. Est-ce que c'est sec? On avait des... promis le retour des vidéos naturelles. Ouais. On se filme au saut du lit. Bon, hier c'était très très chaud. Ouais, j'ai filmé dans la nuit. Je suis venu filmer là. Pourquoi tu filmes dans la nuit? Parce que tu joues à Fortnite toute la nuit? Non. Ah non, c'est pas Fortnite. Non, je joue pas. C'est pas Fortnite. Bon. Ouais. Alors. Qu'est-ce qu'on fait pour les démouler quoi? J'avais pris ça. Est-ce que si on tapote un peu, on pourrait peut-être décoller? Je crois qu'on tapote là, genre ça, c'est un flambi quoi. Ça bouge pas le truc. Attends, si je fais ça. Ouais. Oh là, j'ai peur que ça casse, non? Il va falloir couper. Mais c'est des têtes de quoi sur ton... C'est des cerfs. Ah. C'est par moi déjà, c'est le code. Je sais pas.
Ouais, c'est bien. C'est comme sur la photo. Je remets un spi là. Ce qu'on a fait là. C'est, ouais. C'est pas dégueulasse, hein. Non, c'est... Puis je trouve qu'on a des zones bien lisses qui changent et des zones creuses. C'est ce que je voulais, mais en plus blanc. Faut juste attendre que ça sèche à cœur. Ouais, ouais, ça c'est... Enlever les cailloux, là, tout. Maintenant, on laisse sécher au soleil. Mais j'aime bien tous les trous, là. En fait, c'est pour vraiment donner un rappel, tu vois, le bureau est très neuf, très linéaire. Là, je trouve que ça rappelle un peu l'usine, tu vois. Le côté un peu destroy, ça apporte encore une matière, une texture. Ah, et puis, je trouve qu'en partant d'une photo Aspi, on a réussi... Tu vois, ça aurait pu être tout lisse, ça aurait pu pas du tout être pareil. Ouais. Et là, on retrouve ces crevasses, là, tu vois. Regarde, cette partie-là, elle est trop belle, là. Ah ouais. Bon, on attend encore que ça sèche. Ouais, là, faut vraiment bien laisser sécher. Tu vois, même là, c'est beau qu'on s'est ici, ouais, touché. Ouais, c'est beau, en fait, là. Trop bien. Trop stylé. Et ce qu'il y a de bien, c'est que l'autre, elle était plus liquide. Donc, je pense qu'on va avoir plus cet effet-là. Fier de ton idée, franchement. Non, c'est notre idée. Encore une fois, t'as été au bout de tes idées. Et pour le coup, c'est vraiment réussi, quoi. Et on a acheté aussi un patin qu'on va découper pour pas abîmer le sol en béton ciré. Mais c'est trop beau, la couleur. Attendons, je vais faire mes saucisses. Voilà. Bien crié comme il faut. Une petite saucisse à midi, ça repart. Bon, donc on a terminé l'enduit à la chaux. Maintenant, on est obligé d'attendre que tout ça sèche pour continuer. Du coup, en attendant, on va faire quelque chose qu'on doit faire depuis un moment. Du rangement, on va aller ranger notre dressing. Vous avez vu, on a un tout beau dressing, il n'est pas du tout encore rempli. Là, on va prendre le temps de le ranger un petit peu pendant que l'enduit sèche. Ici, on a ramené un premier pied. C'est magnifique. Ouais, ça sèche toujours. Hein. Voilà, ça rend super bien. Vous voyez, avec le plateau et le sol, surtout avec le sol. Donc, on part sur du rangement et on revient quand tout ça est sec pour appliquer du vernis. La mise à jour. La mise à jour Fortnite. 5h30. Je suis en train d'attendre, là, ça fait déjà une heure. Ben, on va faire le bureau en attendant. Oh, c'est bon. Ok. Alors, où en est notre bureau? Bon, bah, ça sèche. Reste encore des zones un poil humides. Et là, on ne tient plus, il faut le mettre en place. On va le mettre en place. On va tout positionner, voir si les poteaux sont assez hauts. Parce que peut-être c'est pas assez haut. Au pire, on rajoutera des cales. Donc là, c'est pas la hauteur finie. Il va descendre, mais je pense qu'il manquera 2-3 mm. Donc on va mettre une feutrine ou une cale. En bois, peut-être. On a mis en place les poteaux, le plateau, et vous voyez enfin déjà un peu le rendu. Ça le plateau n'est pas fini, ouais. En fait, le rendu est trop blanc. Ils vont le voir, t'inquiète pas. Dans la suite de la vidéo, parce que pour eux, c'est quelques secondes. Eh oui, tu vas pas le laisser comme ça. En fait, il faudrait que le plateau soit la même couleur que le mur. Ouais, là, c'est le plateau est un peu trop blanc. Et les pieds, on est super contents. Ouais. Du rendu, parce que sans les teindre, la couleur, elle est vraiment naturelle. Côté minéral, c'est très beau. Mmh. Bravo pour cette idée encore une fois. Voilà, on a fait le petit trou pour le passe-câble. On va le poncer. C'est trop beau. Franchement, c'est un délire. C'est un délire. Ça met longtemps quand même à sécher. Ça fait au moins 4 heures que c'est fini. On a mis une couche, t'as vu, t'es pas prête. Parce qu'il faudrait que je reponce un petit peu pour après remettre une couche un peu plus foncée. Ouais, mais la couche qu'on va remettre, ce sera pas un truc épais comme ça, non? À la brosse, non? Au gros pinceau. Je vais faire des nuances comme
fait là. Ouais, voilà. Juste plus une teinte qu'un talochage, quoi. Bon, là, on a la bande qui ressort parce qu'on l'a soulevé le plateau. Forcément, ça a replié, ça a fait ça. Donc, il va falloir retoucher ça. Allez, on trie, on jette, on trie, on jette, on trie, on jette. Oh, oh, oh. Le carton, il est plus lourd que toi. Hop. Allez, allez. T'as besoin d'aide peut-être? Tiens, prends le petit, je prends le grand. Non. Pourquoi non? Ça va aller? Oui. Allez. Oui. Oui. Allez. Yo. Et voilà. Allez. Et voilà. On a fini, mon petit pote. Tape dans 5. Yeah. On va goûter maintenant? Ouais, j'ai faim. Tu veux quoi? Je sais pas. Des petits craquants de avec des petits beignets au chocolat? Voilà. Il est minuit, il a pris mon Dyson pour sécher sa bande. C'est sec? Oui, parce que là, la bande, malheureusement, on la voit. Oh, ouais, mais en la séchant. En la séchant, l'avant, hein. Ouais, il faut toucher là. Faut repasser ici. Oui, je vais refaire une retouche. Je vais refaire une deuxième passe. Ici, les taches, en fait, c'est un peu limite, ça part. Bon, prenons un peu de rancul, j'allais dire. Prenons un peu de recul. Rancul, ouais. Mais regardez-moi ces pieds incroyables. Je parle pas des pieds d'Emilien, mais... C'est le monde. Les pieds, c'est mal. Mais qui a des beaux pieds en fait? Ça, c'est un signe. C'est la guerre de ma vie en fait. Ah là là là. Non, mais c'est très joli. Mais il est trop beau ce bureau, bordel, franchement. Est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part? Non, mais. Non, mais n'en rajoute pas trop, ça va. Vous avez déjà vu ça quelque part ou pas? Ça va. Non, mais. Baffe pas. Personne ne fait ça. Non, mais il est magnifique, franchement. Il est beau. Stop, faut arrêter. Si vous trouvez ce bureau magnifique, mettez un pouce bleu, voilà. Et mais sois pas agressif, ils vont pas mettre de pouce bleu. Non, mais. Sois gentil. Il y aura au moins 50 000 pouces bleus sous cette vidéo. Oui, bah oui. Oui, parce que ce bureau, il est incroyable et vous le savez. Mettez un petit pouce bleu, on fait les 50 000. C'est le craquage de minuit, ça. Si on fait les 50 000 pouces bleus, on fait une colonne, comme le pied là, gigante, on fait un obélisque. Et ça va servir à quoi? Pourquoi? Pour marquer l'histoire. On le fera, 50 000 pouces bleus. J'en peux plus. Mettez-moi ce bureau en tendance. Mettez-le en tendance. Bordel. Oh. Allez, je vais faire une autre passe d'enduit et puis après on va se coucher. Enfin, une autre passe de chaud. Bon, là, on est en train de foncer le plateau parce que, comme on vous l'a dit, il était trop blanc. Donc, on utilise la même technique que pour les murs avec un jus un peu plus foncé. On vient badigeonner avec le gros pinceau sur le plateau. Et on verra ce que ça donne demain matin, s'il faut remettre une couche ou pas. Là, Ouais. Je pense qu'il faut plusieurs couches parce que quand ça sèche, ça quand même, ça... Ça blanchit vite, en fait. Ça blanchit grave vite. Alors ce matin, on fait un dernier petit ponçage sur le plateau pour qu'il n'y ait pas de grosses aspérités qui pourraient être désagréables quand on utilise le bureau. Et ensuite, peut-être en mettre un coup de chaud, je sais pas. Et sinon, après, on pourra passer directement au vernis. Voilà, on approche de la vérité. On attaque la deuxième couche et c'est Rachel qui s'y colle. Et on voit déjà qu'avec le vernis, ça fonce très légèrement, mais c'est parfait parce que du coup, ça vient à peu près récupérer la teinte du mur.